Bon, ben, on est sur une après-midi goûter au parc. J'ai commandé des petits gâteaux, petit sac plein de leurs affaires. Ma princesse, elle s'est mise en mode. Et maman, Camilla rentre. Ok, ok, allez, on y va. Ma princesse, elle prend son goûter. Kenan et Nono, ils s'amusent là-bas. Or, Kenan, il a repéré des chiens, du coup, je vous raconte pas comme il est heureux. Voilà, et après, ils vont venir. J'ai pris des brownies, des cookies, des banana bread, que des bonnes choses, quoi. Regardez, elle a mis le joli survêt avec Mini. Et ici, c'est son prénom. Salut, toi. Tu viens manger le gâteau? Lequel tu veux, mon fils? Choisis. Marron. Celui-là? Le cookie? Le cookie. Allez, assieds-toi, maman, elle va te donner le cookie. Assieds-toi, mon cœur. Voilà. Mmh. Est-ce qu'on dit? Merci, maman. De rien, mon amour. Quelle? J'hésite. Je me tâte avec le brownie. Mais j'ai trop envie de ça. Rhum. Nutella, banane. Très bon choix. Il en a mis partout. Pas grave. Tu essaies de le goûter, c'est normal. Hein? Non, 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 celui-là. Mmh. Tu veux un croc de celui-là aussi? Non? Elle mange tout, elle. Mais oui, mange tout avec maman. Kenan, regarde papa. Non. Comment elle a eu du chocolat sur sa chaussette? Comment elle s'est débrouillée? Il y a Denis Lamalisse à côté d'elle. Ma fille, t'as sali? Attends. Adrien, non, non. Nous réveille la nourrie. Fais-moi. Fais-moi, salut. Mais non, mon bébé. Lâche-la, lâche-la. Mais j'ai peur qu'elle s'étouffe. Allez, tiens, goûte ici. C'est du chocolat? Oh là là, que c'est bon! J'ai pris mon masque et mes shampoings avec moi parce que du parc, je vais tracer chez la coiffeuse. Et quand on me demande d'ailleurs très souvent pourquoi, quand même, tu vas chez le coiffeur et tu te prends tes propres shampoings. Parce que tout simplement, certains salons, j'aime pas forcément les shampoings qu'ils utilisent, quoi. Je trouve que l'après-shampoing est pas top. Donc autant prendre mes produits pour m'assurer déjà d'avoir un beau rendu. Puis des produits que j'utilise à la maison aussi. Voilà. Allez, on va enlever toute cette colle glue là que j'ai sur les cheveux. On passe donc au shampoing. Je sais pas quelle louvre, ça sent trop bon le monoï. Et c'est un shampoing qui est réparateur. Donc il n'y a pas de silicone ni de sulfate à l'intérieur. Comme à chaque fois, ça va hydrater et réparer mon cheveu. De la racine à la pointe et puis après je passerai au masque pour avoir les cheveux tout doux et qui sentent surtout très très bon. À chaque fois que je viens au salon et qu'elle ouvre le shampoing, je me dis qu'est-ce qui sent bon, et effectivement là elle me démêle les cheveux avec le conditionneur. Donc c'est un après shampoing qui est glossy, je veux dire que ça va apporter de la brillance à mes cheveux, et elle me les démêle en même temps avant de laisser poser le masque. Pareil, ça n'a pas besoin d'en mettre sur les racines, on en met que sur les longueurs. On passe au masque, donc elle est toujours bien généreuse, elle me met une bonne noisette et on va le laisser appliquer. Donc c'est un masque à la kératine, à l'acide hyaluronique, très très hydratant pour la fibre capillaire, et on laisse poser un bon petit quart d'heure, comme à chaque fois. On vient à peine de terminer le broche là, pas de plaque, pas d'oie vie encore, et la souplesse et la brillance de mes cheveux, et l'odeur, je vous en parle même pas. Et elle va me faire de jolies oie vie maintenant. Voilà. Coiffure presque terminée. Là, je suis Marie-Antoinette, évidemment, mais je ne vais pas rester comme ça. On va un petit peu les ouvrir. Regardez la souplesse même de mes boucles, la brillance du cheveu, de la racine à la pointe même. Vraiment, la gamme Maybe est très très bien. Et voilà. Et je les ai pas trop ouvertes pour qu'elles tiennent quand même longtemps, surtout pour la soirée. Mais voilà, ma petite coiffure du jour. Mes soins capillaires, du coup, ben, parfait, j'en suis ravie. Regardez la texture du cheveu. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inches in the back.
des enfants est prêt, on va les faire manger avant de sortir. Donc pour Adria, je fais une floraline. Et pour Kenan, je fais une soupe aux légumes, aux langues d'oiseau, sorte de ragoût un petit peu. Voilà, avec leur petite compote du soir. Comme ça, après, on les met au lit. Et let's go. Cuisine marocaine ce soir. Petit tour au Maroc. Que des tagines là à table. Regardez-moi ce couscous. Poulet aux olives aussi là-bas. C'est là que ça mange un petit peu. Et je précise que cuisine marocaine, et écoutez l'arrière-fond de musique. C'est quoi ? Oh là là. Tagine de kafta. Oh, je vous jure, on a une table, elle est surchargée. Je sais pas comment on va tout finir. J'ai même pas encore digéré. Je suis là, j'ai l'impression d'être enceinte. Et on se dirige encore vers un escape game. Ce qui veut dire que là, on va être enfermés. Ils vont nous faire la misère. On va hurler. Tout ça avec le ventre plein, sans phase de digestion. Et j'ai même pas encore 30 ans. Mais je disais à Nono, je crois que j'ai plus l'âge de autant sortir, manger le soir comme ça et faire des activités. C'est très très compliqué. Il y a plusieurs thèmes, d'accord, différents. Celui de ce soir, c'est celui-ci, Silent Place. Autrement dit, Make No Sound or Die. Donc en fait, pendant une heure, on va devoir rester silencieux, sinon on se fait attraper et voilà quoi, vous connaissez la suite. Une heure. Imaginez, il y a tout Walking Dead qui est derrière vous. Et en fait, tu es comme ça, la lumière s'éteint. Si tu cries, tu sors. Ça veut dire que c'était comme dans les films. Tu sais, quand on voit les personnes être comme ça. Il y avait le zombie qui était là, il marchait, il est là, il venait vers toi. Plus que la lumière, elle s'allume. Mais le stress, et à un moment, j'ai dû moi toute seule me séparer du groupe pour aller prendre la clé sur le zombie.